Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Need for Speed Underground 2. Donc on va se faire quelques drifts un peu pour voir ce que ça donne. Non, on devrait être plutôt pas mal et pouvoir commencer non pas dans le lourd parce que c'est pas encore le moment, mais le lourd ça commencera plus tard. On va peut-être bientôt changer de véhicule un peu plus sérieux à dire. Donc voilà, on va faire un truc plus ou moins sérieux, assez tranquille et tout. On va pas chercher à 14h, hop, la fils de pute qui m'a rentré dans le. Donc voilà, franchement, ouais, c'est vrai que je suis quand même assez concentré sur certaines choses, mais n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos sur Need for Speed Underground 2. Si par exemple pour la prochaine voiture qu'on prendra, si vous avez une préférence par exemple, n'hésitez pas à me le dire. Moi je pense savoir laquelle que je vais prendre, mais après si vraiment vous me dites d'en prendre une autre, j'en prendrai une autre. Parce que je pense que bon, on va peut-être pas changer tout de suite, mais j'ai déjà une voiture en tête pour changer de la petite 106. J'ai déjà en tête une voiture qui est très rapide, très jolie et vraiment qui a beaucoup de patates. La Toyota Celica, qui est vraiment une très bonne. What? Ah oui, c'est une course de. C'était une course de sponsor. Donc on gagne pas mal de points, ben, d'argent, voilà, de monnaie. Donc là, on va aller se faire le petit Street X qui est juste à côté. Donc voilà, on va pas s'embêter. Je vais pas prendre le GPS juste pour ça. Voilà, franchement, n'hésitez vraiment pas parce que ça me fait plaisir quoi, que vous disiez ce que vous en pensez. Ouais, mais c'est toujours les mêmes messages, c'est ça qui est pas trop. Donc on va se refaire une ou deux courses encore après celle-là je pense, et après on se quittera là encore pour cette vidéo. Donc franchement je fais des petites vidéos, mais voilà, je me prends pas la tête. Moi je cherche toujours vraiment à faire des bonnes vidéos assez courtes et tout, à voir quand même un truc plus ou moins sympathique, et pouvoir être tranquille à faire mes vidéos, ça peut être très bien. Moi franchement je cherche pas compliqué, je cherche pas à me compliquer la vie, parce que voilà, quand on se complique la vie c'est lourd. Et d'ailleurs il y en a qui m'ont coupé par l'intérieur, mais moi je vais me couper. Oh mais il me coupe par l'intérieur ce fils de là, ça devient un petit peu plus serré. Donc voilà, par exemple si vous pouvez peut-être entendre un petit peu plus la musique du jeu, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Parce que c'est vrai que je mets pas de musique, mais il me semble que je l'ai pas réaugmenté depuis les premiers épisodes, mais en gros je pensais le faire et puis je l'ai pas fait. Donc, allez, roule mieux, roule mieux. Franchement là je roule pas top top, parce que déjà on le voit parce que je suis pas premier, mais donc voilà, ça se voit vraiment pas mal hein. Que c'est moins bien que d'habitude, on va dire. Allez, mais dans le pire des cas, je la referai peut-être en hors caméra, parce que c'est vrai que ça peut être plus simple pour moi, on va dire. Sinon je la referai quand j'aurai du turbo, des trucs comme ça, parce que je pourrais aller encore plus. Et donc y mettre une fessée et culottée. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir le rattraper, mais là je pense que c'est foutu.
clairement, je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il a quand même 2 secondes d'avance. C'est déjà pas mal en Street X. Vraiment pas mal. Donc voilà, je pense qu'après on partira sur une autre course. C'est pas grave si au pire je la recommencerai une fois dans une vidéo et après on fera une autre course. Je pense qu'il ne faut pas y arriver à moins qu'il fasse une grande connerie. Mais je pense que donc voilà. N'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires. À mettre un petit j'aime aussi, ça peut être sympa. Donc on va vous abonner aussi. Parce que. Suivre toutes les vidéos de car mécanique, Eurotruck, farming quand j'en remettrai, parce que pour l'instant j'ai pas vraiment envie d'en remettre. En tout cas pour l'instant je vais en mettre, mais pas tout de suite, sur une map que j'ai déjà fait une visite je crois dessus. C'est non, je l'ai pas fait, je l'ai pas refaite. Il me semble que je l'ai pas refaite. Et ouais, en gros je crois que c'est ça. Je l'ai pas refaite et ouais, en gros c'est ça. Je l'ai pas refaite. Et donc c'est pour ça que oui, en fait je l'ai pas refaite du tout. Et j'avais eu un problème de capture. Je suis pas sûr. Mais bon, tant pis. C'est pas très très grave non plus, parce que je ne pose pas trop de questions. C'est pas très très grave, c'est pas ce qu'il y a de plus important, on va dire. C'est plus important, c'est d'être en vie presque et d'arriver quand même à faire des vidéos assez intéressantes. En tout cas, après, c'est d'être heureux parce que c'est vrai que bon, je vais pas dire que je rush le jeu parce que je peux pas quand même, mais on va dire que moi, c'est plutôt. Donner des astuces quand j'en connais, et puis après bon bah essayer quand même de trouver des trucs intéressants, des gameplays plus ou moins intéressants. Et je trouve quand même que celui de Need for Speed est quand même assez intéressant. Et après peut-être aussi, par exemple, si vous avez des voitures qui ont été comment dire, tunées dans vous aimez beaucoup, aussi voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment envie de faire ça en fait, mais si ça plaît autant le faire en fait, parce que ah, ça a bugué, voilà. Ça a bugué mort, ça a bugué mort. Donc peut-être le faire, on verra, mais que le temps du let's play, en gros peut-être que si voilà j'ai assez de photos, on va dire. Donc si vous avez une voiture que vous avez faite sur un Need for Speed, on va pas, je peux dire, on va pas faire difficile hein, sur un Need for Speed, que ce soit carbone, full screen ou quelque chose d'autre qui vous plaît vraiment énormément, vous pouvez essayer. Je vous dis clairement, je le ferai peut-être pas. Vous pouvez me l'envoyer quand même en message privé sur YouTube. Je sais même pas comment on le voit, mais je pense que je saurais me débrouiller quand même. Je le trouverai, c'est pas très très important. Mais vous les envoyez en message privé si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir. Et après, je ferai une espèce de voiture de la simulation. Je ferai un choix, on va dire, sur les voitures que j'ai vraiment trouvées jolies et tout. Et je les présenterai en fin de vidéo. Et voilà, ça pourrait être sympa. Après, je sais pas comment. Si ça vous plairait vous, donc n'hésitez pas à me dire, même si je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est un peu de la copie, parce que même moi je le pense, c'est pour ça que je dis que je suis pas sûr de le faire, mais pour moi ça peut être faisable, je peux le faire, mais voilà, en gros c'est selon vos envies, selon les miennes. Pour l'instant ça me dérangerait pas trop, on va dire, même si quand même un peu. Bah tiens, on va se refaire un Street X, non?
Allez, on se refait un petit streetix. Parce que là, il me reste plus grand chose en fait. À part. Enfin, en gros, il me reste plus grand chose. À part les streetix. En gros, normalement, d'ici la semaine prochaine, on devrait certainement avoir fini. Pardon. Mais je vais faire du streetix. On devrait pouvoir démarrer les CCU la semaine prochaine, je pense. Au cours de la semaine prochaine. Voilà. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. De l'idée que je vous ai suggérée. Parce qu'en gros, je pense que sur 3 vidéos, je vous en publierai 3. Je sais pas, ouais, peut-être 3 ou 1 par week-end, on va dire. Je sais pas comment je vais me débrouiller. En gros, si je le fais, parce que vraiment, c'est si je le fais, parce que c'est même pas sûr que je le fasse, comme je vous l'ai dit. Parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient me dire que j'ai fait de la copie. Et même moi, je l'approuve, c'est un peu de la copie. Même si, voilà, c'est de la copie sans lettres, on va dire. C'est, voilà. Donc voilà. Donc on va se faire cette petite course et après on va se quitter et se reprendre la semaine prochaine. Donc voilà, ça va être cool. On va se faire ce petit run. Le but c'est vraiment de mettre tous les autres dans le décor et puis de passer soi-même premier et après d'être tranquille. Après c'est vrai que moi ce jeu pour moi c'est pas forcément le meilleur, il y en a eu des bons aussi d'autres. Celui que j'ai vraiment préféré et celui auquel j'ai joué, le premier on va dire, le premier Need for Speed auquel j'ai joué, c'est le Most Wanted. C'est le premier jeu auquel j'ai joué, malgré qu'il soit sorti après celui-là. Et celui-là c'est le premier jeu de Need for Speed que j'ai eu, on va dire. Mais c'est quand même à dire l'un des meilleurs, parce qu'en gros si je me trompe pas, j'ai eu ma PS2 de mémoire 13-14 ans avec mon frère, je sais pas trop en gros, mais il me semble bien que c'est à peu près ça, 13-14 ans. Et je crois que c'est l'un des tout premiers jeux que j'ai acheté, parce que c'est le premier que j'ai acheté. Ben, je crois que je l'ai acheté avec un de mes cadeaux de Noël, parce que j'avais un bon de 2€, je crois, pour un jeu Micromania, ou je sais plus trop, je ne sais pas si je crois. Mais voilà, en gros, c'était vraiment stupide, parce que voilà. Je crois que c'est le premier jeu que je m'étais acheté sur PS2. Je crois que je l'avais acheté en même temps que ma Wanted, il me semble, je sais pas. Parce que c'était pas des jeux que j'avais acheté cher, il me semble. Parce que même quand j'ai eu Carbon, je l'ai eu, le jeu était déjà sorti depuis 2-3 ans, je crois. Donc là quand même on s'en sort mieux qu'à l'épisode à la course précédente de StreetX. Donc là on va regarder après ce qu'il nous reste comme course à faire avant de faire les courses CCU. Parce que vraiment là je sais plus. Non, on est qu'à la deuxième vidéo, donc il en reste encore une. Oui, là on est samedi si je ne me trompe pas. Donc il nous reste encore une vidéo à faire. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais pour l'instant en tout cas il me reste encore une vidéo à faire. Après, franchement, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse pas trop, mais que je pourrais rajouter un pseudo contenu, on va dire, Ouh, il y en a un qui me rattrape. Un pseudo contenu à mes vidéos en gros. Je sais pas si voilà,
n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que ça peut me permettre de faire quand même des meilleures vidéos. Voilà. Donc n'hésitez franchement pas. On a fait quand même une bonne course avec 2 secondes d'avance sur le premier. Sur le deuxième. À peu près, on va dire qu'on a envie. Donc là, on a quand même pas mal d'argent. Je crois qu'on est à 2000, 3000, non? Pas loin. Donc on va voir, je crois qu'il reste plus que des circuits, des sprints et drag aussi. Donc, attends, je sais pas. Ouais, en gros, on a encore. Hop, attends. Bon, on a plus rien. Il y aura des reporters du Sport Compact Car ce soir. Ils veulent faire un truc sur le vainqueur. Alors, qu'il nous reste des circuits. Ouais, donc on se fera ça au prochain épisode. Il y a un drag. Il y a un drag, un circuit et un sprint. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est ça. En gros, au prochain épisode, on aura fini toutes les courses de base. On va dire. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. On va se quitter sur les bonnes paroles de Samantha. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Donc au prochain épisode, on aura fini toutes les courses. Et la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, on finira les courses CCU sprint CCU et les courses de début de magazine, voilà, de magazine de photos de machin. Donc voilà, n'hésitez franchement pas, même si l'idée que je vous ai soumise tout à l'heure vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer une photo en message privé de l'une de vos voitures que vous avez tunées sur l'un des Need for Speed. Peu importe lequel, ça ne dérange pas trop. Après, ça fait un peu plus de variété, on va dire, parce que dans les vieux Need for Speed, il n'y a pas beaucoup de variété. Il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui, on va dire, que dans les jeux d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi, je vais vous dire, soit demain, soit la semaine prochaine, je ne sais plus trop si j'en fais la troisième ou la deuxième. Donc je vous dis à plus. Ciao.